Salut à toutes et à tous, ici BibiTM. Et Cinéa. Et on se retrouve pour la deuxième partie sur les Sims 4. Donc on se retrouve dans le mode construction, puisqu'on va faire la fameuse maison à 17 500 $, parce que j'ai plus grand chose. Et là, les aides commencent à me gonfler. Là, il y a un didacticiel qui arrête pas de nous dire alors c'est bien. Hein, c'est... Prochaine astuce. Non, mais c'est sûrement intéressant à lire, mais le problème c'est que ça vous bouffe de l'espace sur ce que vous voulez faire. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait comme maison? Est-ce qu'on fait une forme particulière ou. Pièce octogonale. Aucune idée tant que tu peux placer des lits et des machins. Ah, j'ai bien envie de faire éventuellement. Bon, attendez, on va faire l'outil mur. Je vais faire un truc octogonal. J'ai envie de faire un truc. Ouais, un peu octogonal pour l'entrée. Genre un truc un peu comme ça. Hop, qui part ici, là, comme ça. Parce que moi, ce que j'adore dans les Sims, c'est surtout faire des. Ouais, faire des petites maisons. Moi, je préfère gérer leur vie, leur personnalité et tout. Et Bibi, il préfère plutôt l'architecture, décorer les pièces, etc. Bah, mais je trouve ça sympa de pouvoir modeler un peu comme on je veut. Je trouve ça sympa, mais le problème, c'est que je suis pas douée, donc. Donc, forcément, après, c'est ça, moins c'est... sympa. Bon, je vais pas faire un truc trop balèze. Bah, de toute façon, tu peux remodifier après, hein, remodeler. C'est bien, tu peux pousser les murs. Oui, oui. Ça ressemble un peu à la maison blanche, là, ce que je suis en train de faire, mais... Là, par contre, je crois que j'ai fait une longueur de trou. Il manque les colonnes. Attends. Ah, tu fais un mur en trop. Est-ce que c'est toujours contrôle? Ouais. Eh, il y a des réflexes qui reviennent, hein. Donc voilà, pour une première maison, là, c'est pas trop mal. Bon. Elle est petite, je pense. Ouais, bah c'est normal. Je fais pas un truc de ouf parce que, bon, bah, voilà, j'ai pas argent illimité, donc va falloir vite délimiter des pièces. Je me suis déjà payé le luxe de faire une entrée, donc... Et tu sais qu'il y a des porte-manteaux maintenant, tu pourras mettre un porte-manteau dans l'entrée et mettre un truc à chaussures. Ah ouais? Ouais, trop classe. Alors est-ce que je peux mettre des murs à mi-carré ou pas? À mi-hauteur? Mi-carré. C'est-à-dire mi-carré? Bah, c'est-à-dire pas là, au milieu de deux. Peut-être avec Maj? Non. Ou Alt? Non, tu peux pas alors. Non? Bon bah tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va déjà faire une pièce de. Genre une salle d'eau. Peut-être ici, pas trop grande. Ah, je sais pas du tout comment placer par contre mes trucs. Pouf pouf pouf. Est-ce que t'as des idées éventuellement? C'est un peu. La forme à de la limite, pièce, là en fait, tu est peux pas... mettre ta salle d'eau, donc effectivement en dessous tu peux mettre la cuisine, là peut-être dans cet espace là. Après le salon tu peux le concentrer plutôt là et puis là tu peux faire ta chambre. Une chambre ici? Ouais. Soit tu prends toute la longueur, soit voilà, tu répartis un peu. Après, là, tu peux faire un coin bureau, sinon... J'essaie de voir par rapport à la taille des Sims, en fait, pour voir si ce sera quand même assez confortable ou si c'est un peu reclus, quoi. Un petit bureau, ouais, ça peut être pas mal. Un petit bureau ouvert sur la chambre, tiens. Genre quand même séparé, mais... Voilà, séparé, mais juste avec une petite cloison, quand même, où on peut passer pour aller voir le bureau. Ouais, ça peut être sympa. Et donc ici, cuisine et la salle à manger ici. Ok, ouais, non, ça a l'air pas trop mal. Alors par contre, ouais, pour la télé et tout, ça risque d'être un peu funky là. Sinon, la télé, tu l'accroches au mur en face de son lit, hein. Au final, bon. Bon, on va utiliser des éléments simples, hein, pour le début. Ouais, mais pas trop au milieu de la pièce, histoire que... De quoi pas trop au milieu de la pièce? Bah, que tu puisses mettre quand même des trucs dans la pièce elle-même. Si tu mets dans un coin, tu placeras plus de choses dans la pièce. Là? Ou dans l'autre, oui. Quoi, dans l'autre? Là? Bah là, oui. Prévois comment tu préfères, mais... Honnêtement, je sais pas. On va mettre un peu ça au hasard. De toute façon, c'est pas... Tu peux déplacer, de toute façon, tout est modelable. Je vais pas mettre de porte ici. Je vais laisser bloquer comme ça, ça me permettra de mettre pas mal de petites choses. Hop, ça c'est super. Qu'est-ce que on peut faire ensuite? Peut-être déjà mettre le sol et tout, comme ça c'est fait. Ouais. C'est ici, motif de sol. Alors moi, j'adore le parquet. Voilà, j'adore le parquet, donc... Hop. Voilà, petit intérieur parquet, ça marche toujours. Quoique, j'aurais peut-être dû mettre autre chose. Non. Moi, j'aime bien ce parquet comme ça, après... Ou alors un petit parquet. Ah, c'est peut-être un peu sombre. En fait, ce qui fait sombre, c'est que j'ai pas de fenêtres, surtout. Donc, on va peut-être mettre les fenêtres... des fenêtres classiques. Alors, on peut mettre... C'est quoi? C'est par pièce. Pièce, ouais. Voilà, en par automatique. Pièce, comme ça, ça les met automatiquement. Alors moi, par contre, ce que j'aime pas, c'est avoir des fenêtres qui collent... Le bord. À un bord de la maison, je sais pas, je trouve ça pas bien, donc finalement, je vais les mettre moi-même. Ah, mais non.
Mais je veux plus par pièce, par fenêtre. Non, mais reclique sur une fenêtre. Voilà. Ah, ok. Et là, on peut régler la hauteur. Une des grosses nouveautés, c'est de pouvoir régler la hauteur. En plus, je peux la mettre tout en haut. Alors, bizarrement, ça fera pas de lumière, me demandez pas pourquoi. Ou je peux les mettre, voilà, à mi-hauteur ou même au niveau du sol. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut faire genre des dégradés un peu. Je vais peut-être en mettre deux, là, comme ça. Alors, le problème, c'est qu'il... Faut que tu la tournes toi-même avec... Voilà, non, ouais. C'est bon. Alors, le problème, c'est que ça fera pas pareil des deux côtés, mais c'est pas trop grave, à la limite, je pense. On va en rajouter une... Est-ce que je fais encore un combo de deux ou pas? Tu es inspiré, je le sens, là. Bah, ouais. Moi, l'architecture... Complètement dedans. L'architecture, je suis nul, hein. Franchement, je peux pas donner... Ouais, à la limite, ça fait pas, genre, plein de fenêtres au même endroit, ça fait des doubles fenêtres, donc c'est pas trop, trop mal. Même si je suppose que doit y en avoir. Fenêtre de bûcheron. Fenêtre de sécurité. Si tu descends, ouais, il doit y en avoir d'autres, des fenêtres, mais un peu plus chères, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas argent limité. Exactement. Donc, va falloir faire... désolé pour le petit... petit coupage de son. Va falloir faire selon nos besoins. Voilà, moi, j'aime bien les mettre à intervalles réguliers, et là, que ça touche pas... deux murs, comme ça on peut leur mettre un petit combo. Fais gaffe, c'est à la salle de bain, t'auras intérêt à mettre des rideaux. Non, mais le roi sinon il va s'exhiber. Il s'en fout, lui, il est... Ah là, oui, il faut que j'en mette ici. Ah, ça c'est cool. Ah, ouais. Ça tout de suite, ça va imposer. Est-ce que j'en remets une là ou pas? T'aimes pas quand c'est en bord de mur? C'est pas vraiment en bord de mur, si, oui. Et après au milieu, là, je mettrai un petit chandelier, là, un petit truc sympa. Voilà, on a une meilleure idée un peu du sol, sauf là. Ah oui, parce que justement, je voyais pas le sol, en fait. Est-ce qu'en en bois, en parquet noir comme ça, ça peut le faire ça ou pas? Ça fait sombre. Ah bah, c'est le principe du parquet noir. Mais tu peux changer la couleur, après. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont comme couleur? Un blanc, bleu clair, peut-être pas. Ah, j'aime bien, moi. Oh, je trouve ça mieux que le noir, tout de même. Oui, c'est peut-être un peu plus clair, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis la salle de bain, on va essayer, de, par contre, peut-être pas prendre un parquet... Alors après, oui, j'ai les différents trucs. Moquette, carrelage. J'aime pas le carrelage dans les salles de bain, moi. Enfin, je trouve ça pas beau. C'est quoi ça? Le pierre, métal, extérieur. Affiché tout, ok. Ça, c'est le bois. Bon, bah tant pis. Tu vas mettre de la moquette. C'est du tapis. C'est de la moquette, ouais. Tu vois? Ouais. Bon, à la limite. Bah, ah, oula. Ah oui, d'accord, on peut faire un méga dézoom comme ça sur le petit quartier. Ouah. Ouais, c'est vrai que ça fait pas très... Ça fait un peu tapis de bain. À la limite, mais de la pierre, ça peut faire pas mal, moi. La pierre? Ouais. Ça fait froid aux pieds. Bah, c'est pas grave, moi j'aime bien. Oh, remarque, ouais, ça fait pas trop mal. C'est un peu chiant. Ça fait moins que... ça fait moins carrelage que le carrelage, forcément. Attends, pièce vide et mur. Non, je veux les papiers peints. C'est là, ouais. C'est là. Voilà, motif de mur, ouais. C'est pas forcément simple de voir dans leur petit schéma de maison qu'est-ce que c'est, quoi. Alors, papier peint. Oh putain, ils ont toujours leur papier peint, genre immonde, là, les trucs comme ça. Oh, ça, c'est typique américain. Ah ouais, ça, c'est vraiment... Y'a qu'eux qui mettent ça, avec des grosses plinthes en bois. Pouf, paf, pouf. Ah, c'est tout. Mais tu peux changer les couleurs. Ah, ça, j'aime bien. Ouais... On a peut-être quelque chose de clair pour contraster un peu avec... Remarque, il y en a... Ah non, c'était quoi? Ah, c'est de la peinture, ok. Donc là, je suis dans les papiers peints. Bon, c'est le même. Oh là là, ouais, c'est très... Carrelage, pierre, maçonnerie, lambris... Ah non, alors ça, non. Ça, c'est pour mettre dehors. Ah bon? Bah, les lambris, le revêtement, tout ça, c'est... Ça fait plus dehors que dedans, je trouve. Un petit motif pastel, là, mais... Ou sinon... je peux pas en blanc. Bon, c'est pas... Oui, un petit truc sobre, hein. De toute façon, il faut... la chambre et tout, à la limite, ouf. C'est pétant. Ouais, c'est un peu pétant. Il y aurait pas un bleu un peu moins concentré. Moi, c'est mieux, mais c'est pétant aussi. C'est pas... Prison. Un truc... Une petite chambre un peu enfantine. Oh, c'est mignon. Non, il me faudrait un truc un peu... motif plus de stuc. C'est quoi ça? Ouf. Oh, ça fait pas... C'est pas très beau avec... avec ce que j'ai mis au sol, en fait. Ouais, vaut mieux mettre... Quoique ça passe mieux, déjà. Mais... Allez, hop. Un petit truc gris comme ça va le faire. Et dans la salle de bain...
Oh, même ça, ça me choque, moi, la porte sur le côté. Bah, c'est toi qui l'as fait. Ah oui, mais c'est toi qui m'as conseillé ça, moi, j'aime pas placer les trucs sur les bords. Alors, carrelage, toi, tu me dis à chaque fois pour les... Piscine. Oh, ça, ça va, ça j'aime bien. Ouais. Oh, ça, à la limite, ou c'est sobre, ouais. Mi-peinture, ça va pas trop avec mi-carrelage. Le truc en pierre, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a avec le machin en pierre, en fait? Voilà, ça c'est bien, c'est moderne. Gros carrelage. C'est pas trop ça, dégueulasse. Ouais. Et voilà, on a les fondations de notre petite maison. Qui est pas trop mal. Bon, ok, elle impose pas autant que celle de messieurs dames en face et tout. Pour un quartier pauvre, sérieux. Enfin, pauvre. C'est nous qui avons décrété ça. Mais franchement, on s'en fait pas. Hein. Ouais, c'est clair. On sent qu'ils étaient plusieurs colocs à aller dedans. Les portes sont mises et tout, les fenêtres aussi. Donc on peut passer maintenant aux fournitures. Et tu sais que t'as oublié le toit quand même. Le toit? Ouais, parce qu'il se fait plus automatiquement. Il faut que tu montes d'un étage. D'accord. Et là, il faut que tu le construises magnifique. Toi-même. Sinon, voilà, je construise moi-même. Ouais. Tu cliques toi sur le toit qui te plairait. Toit demi-versant, toit croupe, toit deux versants. Et en fait, voilà. Et tu fais ça, et puis après, tu dois les tirer avec les petites flèches. Voilà. Ok. Tu peux baisser après, la taille, voilà. Après, on peut rapetisser un peu, parce que là, ça faisait vraiment... Mais alors, comment ça fait ici? Ah d'accord, génial, magnifique. Bah tu peux peut-être monter, enfin prendre attends, un autre toit. Non, voilà. Ouais, je pense que on va s'arrêter par là. Donc tu peux faire le derrière, donc, voilà. Donc faire le derrière aussi. Et devant, voilà. Tu en reprends un autre. Et devant, il faudrait que j'aie... Est-ce qu'il y a une sorte de truc un peu... Ou sinon... Sinon tu reprends le même, mais en plus petit. Je crée un étage ouais. Et je ferai genre une porte là et ah, une barrière ici, ouais, une sorte de petit balconnet. Avec des plantes et des trucs. Ouais, ça peut faire sympa. Bon, le deuxième étage, on s'en occupera peut-être un peu plus tard dans l'aventure quand même, parce que j'aurai pas assez là pour remplir deux étages. Ouais. Donc retourne en bas. Est-ce que je peux pas mettre quand même des petites grilles Tu peux mettre des barrières, là, voilà, des clôtures. Ah, voilà. Oh, les petits trucs un peu... gothique. Ah, j'ai pas le droit. What? Ah, pourquoi? Ah, ça veut remplacer carrément des murs. Ah, ça... Ah! Ah, mais non, je veux pas. Mais c'est bizarre. What? Pourquoi ils me font ça? Attends... Placer des clôtures en dessinant. Ouais, vas-y, fais placer des clôtures en dessinant. Placer des clôtures. Ouais. Ah non, bah non. Voilà, ah, si tu peux maintenant. C'est pas du tout ça que je voulais faire à la base, mon gars. C'est pas du tout ça que je veux. Vous êtes gentils, les mecs. Je sais. Ah, c'est cool, maintenant on peut remplacer direct. Alors j'espère par contre qu'ils m'ont remboursé, j'ai pas l'impression. Celle que j'avais mise. Par contre, faudra mettre un revêtement à ta maison aussi après. Ah oui, quand t'auras plus d'argent parce que là. Quand j'aurai peu... plus d'argent. Bah non, regarde. C'est où? C'est sur les papiers peints et les machins. Et là, voilà, c'est en bas. Revêtement. Et tu choisis... Ah non, mais c'est dégueulasse, ça. C'est pas des revêtements pour la maison. Bah si. Bah attends, regarde-moi ça. Bah oui, mais il y en a qui aiment ça comme ça. Mais voilà, tu vois. C'est pour la maison. Et y a pas autre chose? Bah après, tu peux mettre du lambris ou de la maçonnerie ou... De la pierre. Oh! Ouais! C'est pas mal, ça. C'est une maison verte, adossée... Non, mais j'aime bien, en fait, c'est les petits trucs en pierre sur les côtés. Ouais, ça fait pas mal. Alors après, ouais, peut-être qu'il y avait un meilleur choix de couleur pour... Voilà, ça à la limite. Alors par contre, on est obligé de faire un peu de pièce par pièce. Clac, clac. Bon, on voit pas trop la différence, mais... Rien à modifier. C'est bon, ça l'a déjà fait. Ah vas-y, bon tourne. Bah pourtant, quand je fais ça, j'ai l'impression que ça change beaucoup. Hein. Ouais, mais en fait, c'est parce que ça s'illumine. C'est pour ça. Ah, d'accord. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Voilà. Ah, elle est pas mal, la petite maison. Bon, ici, il manque peut-être un petit truc en pierre, mais c'est pas grave. Ok, pour le revêtement, donc on va repasser, clac... En dessous, le toit est fait. Attends, je vais peut-être changer la couleur du toit, par contre. Je sais pas si... Ah, si, peut-être là. Voilà, surface de toit. Toi. Moi, j'aime bien la brique. Oh. Bon, alors, je sais pas si c'est du meilleur goût avec, avec la pierre. Et c'est peut-être une brique un peu plus... Un peu moins colorée. Moi, j'aime bien comme ça. Ouais. T'aimes pas? Je sais pas, c'est un truc qui... Ou sinon, comme ça. Hein, c'est ouais, je pense que ça, ça colle un peu mieux à l'esprit du truc. Et donc voilà, pouf pouf. Alors on va habiller maintenant vite fait. Bien fait. Par fonction et tout. Alors maintenant on peut rechercher par exemple si vous voulez des lampes, ça c'est pas mal. Vous tapez lampe et là ils vont plein de lampes et tout. Donc moi je fais entrer et hop. Alors il y a peut-être pas toutes les lampes parce que peut-être qu'il y en a qui sont dénominées autrement. Non, ouais, où il y a des. Bah si elles y sont toutes vu voilà, que t'en voilà. Étais dans l'éclairage. Là. Ah oui, ils nous mettent dans l'éclairage directement. Donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Si tu veux un lit, bah hop. Donc voilà, bah voilà, limite on peut fonctionner comme ça, il nous faut un lit. On tape lit, hop,
Voilà, et là j'ai tous les lits. Oh oh. Ouh, lit galion de la princesse Cordélia. T'as pas assez d'argent. Ah, tu m'étonnes. Énergie 10, soulagement du stress 10, soulagement de l'inconfort 10. Et celui-là, j'ai assez. Bon, ouais, par contre, ça va douiller. Il faut que tu sois peintre. Ah mince. 10 dans peintre. Alors, le lit, c'est quand même important. Alors, par contre, c'est pas classé par. Si, c'est classé par prix nul. Ah, tu vois, moi, c'est classé bien. Ah non. Tu vois, non, c'est pas classé par prix. Et... Alors, le roi d'Aïro, il a forcément besoin d'un lit double. Parce qu'il faut pas déconner. Ah, mais il est nul, lui. Il est nul, mais il est beau, c'est chiant. Bah ouais, c'est bizarre. Ils font des beaux lits, mais nuls. Bon, bah là, lui, c'est vraiment le must du must. Le must du must dans le côté pauvre. Mm. Est-ce qu'il y aurait pas un truc. Ça, c'est chic. Bah, c'est surtout assez sobre. La chambre, elle est petite. Ouais, c'est vrai que c'est pas, elle est pas très grande, là, disons. Comment on le pose et après on peut le. Comment je le tourne? Bah, avec. C'est pas très pratique tout ça. Mm. Je vais peut-être le mettre ici. Et puis faire genre. Là, t'auras peut-être pas assez d'espace pour qu'une nana vienne coucher dans ton lit. Hein. J'irai mettre des trucs sur les côtés, des guéridons. Des tables de chevet. Ouais. Comment tu dis, guéridon? Ouais. Attends, parce que t'as pas sélectionné là. Alors, je sais pas s'ils connaissent le mot. Oh, guéridon, regardez-moi ça. Oula. Qu'est-ce? Le truc du pauvre. Eux, ils appellent ça des guéridons en fait, pas des tables de chevet. Enfin, ça dépend, hein. Je pense qu'il y a les deux termes qui s'utilisent. Hop. Mais... Une petite là. Est-ce que j'en mets deux ou pas? Moi, tu peux. Hein. Non, c'est un peu du luxe. Je mettrais peut-être plus une plante verte de l'autre côté. Donc pour la chambre, pouf pouf, le petit bureau. Alors attends, hop, bureau. Enfin, tu l'avais là, mais... Ah merde, ah, il m'a pense que c'est une pièce en fait. Ah mais non, mon gars. Tu vois, là, c'est tu l'as là. Ah bon, bah, voilà. Alors, un petit bureau sympa, mais pas trop cher non plus, parce que pas déconner. Un petit truc qui change design. Un peu. Ouais, ça veut design. La petite chaise qui va bien. Ah, par contre, là, il connaît pas les chaises. Chaise. Yeah, oh, chaise de bureau. Vous avez vu ça un peu. Intelligence. Ah ouais, mais... Astronaute. En plus, faut que je les débloque. Ah oui, celles qui sont débloquées, en fait, c'est celles qui ont les petits... Ouais. Confort 3. Après, tu peux changer confort, les couleurs. Pas de confort. Fais voir ça. En rouge qui va avec ou... Ou en gris, sinon ça va aussi avec. Hein. C'est du gris, ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, not bad. Et puis on va lui mettre un... Je sais pas, un PC. Ouais. Quand même. Ordinateur. C'est peut-être plus simple, en fait, de fonctionner comme ça. Au moins, il vous donne tous les objets que vous voulez. C'est peut-être plus simple que d'aller chercher, là, dans les trucs c'est et sûr. Tout. Ouh, 4000, c'est cher. Prends peut-être un PC de merde au départ. Hein. Diablette. Ordinateur basique, lenteur et lourdeur. je vais prendre ça. Ouais, faut que t'aies assez pour t'acheter un frigo et tout après. Une douche. Après, on va direct passer. Pour l'instant, ça c'est plus. Alors attends, douche. Tant pis pour le bain. Hein. Non, t'as passé. Par contre, ça c'est chiant. Tant pis pour les baignoires. Hein. Pour l'instant, le roi des roues, il fera avec ce qu'il pourra. Douche de rêve. Elle est jolie celle-là. Elle ouais, est un regarde, peu design. C'est design, c'est pas mal. On va la mettre plus t'as la serviette intégrée, attends. Hein. Ah bah, on est roi ou on l'est pas, hein. Enfin, il est pas encore, mais... Les toilettes, hop, des petits cabinets... Ça va, tu prends pas de la merde dès le départ, quoi, toi. Ah, mais moi, je fais même pas attention à ce que je suis en train de payer, là. Un jour, ça va me... Je vais avoir un retour de, la... de bâton. Un petit évier. Oh, il est mignon. Ça fait un peu comme le truc design... Par contre, faut que tu le tournes. Voilà. Ah oui, on peut aussi les mettre genre en coin, mais par contre ça demande vraiment un gros espace, genre là je peux pas, donc c'est pas très pratique. Peut-être plus comme ça. C'est comme ça, non mais si un Sims qui veut sortir de la douche et un autre qui se lave les mains, il peut y avoir conflit, on connaît bien ça hein, dans les Sims. Il me reste 6000 balles. Bon bah pour l'instant c'est pas trop mal aménagé, il me reste surtout là le coin qui coûte cher, c'est la cuisine. Alors, et le cœur de la maison, la cuisine. Hop. Si tu tapes cuisine, forcément... Bah ouais, mais moi je cherchais par voilà, pièce. C'est bon, t'es dans la cuisine. Plan de travail. je vais peut-être prendre un truc comme ça. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Lui, il a une petite truc derrière pour faire comme un bar. Ouais. Claire, tu peux t'asseoir derrière, quoi. Dessus, j'allais dire. D'accord. Alors, oups. 1, 2. Évite de mettre un frigo devant une fenêtre. 3. Je sais pas.
Le frigo. Oh oui. 14 000 Simflouz. Mais oui. Mais lui, oui. J'ai pu le prendre avec ma Sim 7. Oh, il est rigolo, lui. C'est quoi ce frigo prix, hein. Je sais pas. Ouais, ça va peut-être un peu cher, là. Légumes incroyables, légumes frais adéquats. Toi, t'avais pris ça, légumes ouais, frais bas de gamme, gamme sans luxe. Ça. Le truc de sans dents, comme dirait. Ah, je peux même le mettre dans de la couleur de ma cuisine, genre le rouge pétant. Le rouge sera la couleur dominante de la cuisine. Faut ah, il aime le rouge. Ah, bah, en même temps, il a une tunique rouge, il a un pantalon rouge. J'ai mis des notes de rouge un peu partout. Alors, je sais pas si ça va très bien avec le sol, mais c'est pas alors, grave. Essaye de trouver une gazinière ou... Petite cuisinière. Ça. Ah oui, j'aurais dû même en retirer un, alors. Je vais peut-être retirer celui du milieu. Ouais, la limite. Alors, ouf. Oui, oh, voilà. Oui, oh, elle est trop classe, celle-là. Bon, malheureusement, ça va pas du tout avec mon style, mais... Ça fait un peu ancienne, genre au feu ah, de bois. Ah, mais c'est trop classe, combien coûte. Ouf. Ah non, je peux pas, non. Il y a un moment, faut s'arrêter, je vais prendre la Custo Pro. Alors, attends, ah, est-ce que je peux... Ah, elle est pas en rouge. Il y a pas en rouge, mais peut-être que le gris... Ah, purée, j'ai du mal avec ça, par contre. Ouais, ça colle pas trop, hein. Voilà, je pense que ça... Bah, après, j'ai pas grand-chose, ouais. Hein. Oui, je sais. Bon, ça choque pas. Ouais, le noir, à la limite, c'est peut-être ce qui se fondra le mieux. Une t'es pas obligé de prendre une hotte. Prends ah, plutôt une classe. Alarme ou quoi, ou... Tu sais, t'es pas budget hotte, limité, là. Mais en gros, la hotte, ça... Ça fait rien. C'est juste décoratif. La petite alarme, tiens, entre les deux fenêtres. Non, je vais la placer au-dessus de celle-ci. Voilà, comme ça, s'il y aura un feu, je le sais. Alors ça, c'est pas mal, c'est un truc de contrôle incendie. En gros, ça va déclencher des sprinklers, des trucs qui vont faire des tomber jets, de l'eau, ouais. Des jets d'eau au cas où votre maison brûle. Mais bon, je pense que ça ira. Le roi des roules sait faire avec le feu. Gazinière, meuble de rangement. Ça, t'es pas obligé, ça sert à rien. C'est de la déco. Oh c'est de la couleur de mon truc. C'est de la déco, surtout. C'est combien? J'ai peut-être mis un peu bas, non? Oui, voilà, parce que... Voilà. Ah, mais regarde, ça fait un peu cuisine équipée et tout. Bon, ça fait un peu bizarre le meuble collé ici, mais j'ai presque envie de faire une sorte de petit bar derrière, comme t'avais dit, là. Mmh. Avec ça. Ça te coûtera pas très cher, au moins, l'avantage. Je fais genre clown. Ouais, t'en mets deux, et puis tu mets deux tabourets. Et puis je laisse... Puis l'avantage, c'est qu'il peut cuisiner aussi de ce côté. Exactement, c'est ce que j'avais tout prévu. C'est une cuisine américaine. Et pour un mec qui a pas de thunes, enfin bientôt qui sera complètement pauvre, parce que là, ça commence à devenir vraiment serré. Tu vois, et là tu peux petite prendre... Poubelle. Ouais, et tu peux prendre les tabourets aussi. Ah par contre, je vais prendre du bas de gamme. Attends, comment je... Je peux pas la coller au truc? Non. Ah, c'est pas très malin, ça. Où c'est que je peux la mettre, la petite poubelle? Peut-être... Est-ce que je peux la coller contre un mur? Attends, normalement, déjà, oui. J'ai du mal à... Mais faut juste la tourner. Mais non, je veux pas. Bon, c'est bah, quoi ce délire? Mais pourquoi ils veulent qu'elle soit... Là, c'est le frigo qui bloquait, mais... Ouais, elle est à perpète des... Ouais, y a pas besoin de poubelle. Il ira direct à la benne, la là-bas, à l'autre ouais, bout de la rue. Les... Alors, justement, je baisse les murs, là, parce que là, ils m'emmerdent. Là-bas. Voilà. Voilà. On peut pas juste faire demi-mur? Bah, ah, t'étais déjà en demi-mur. Bah ouais, mais pourquoi ils me les affichaient? Parce que là, ils me les affichent pas. Bah, t'étais déjà en demi-mur. Alors... Bah, prends des tabourets. C'est... Prends des tabourets, sinon ils peuvent pas s'asseoir pour bouffer. Ah, genre tu veux pas que je fasse de. Mais je pensais que tu voulais faire comme un bar ah, avec des tabourets. Ouais. Ah oui, oui, pas mal. Comme ça m'évite d'acheter. Non, si tu y étais déjà. Voilà. Ça m'évite d'acheter une table avec voilà, des chaises. Voilà, et ça économise l'espace. Et donc je peux prendre une chaise de fou. Oh, regarde, on va prendre des petites chaises qui vont rouge. Bien. Oh, mais regarde-moi ça. Hey. Si c'était pas du design, ça, la cuisine rouge est équipée avec la petite note de noir. C'est le cœur de la maison, attends. Attends, mais moi, je vais remplacer Valérie Damido, là, bientôt, hein, parce que franchement, je m'étonne. Alors, les murs taupes, la cuisine rouge... Ouais. Le petit revêtement avec des briques, là, des... des petites pierres. Donc ça, c'est bon. Bah, donc, finalement, j'ai pas mal de place pour faire l'endroit télé. Voilà. L'endroit télé, genre la télé là... Le canapé là... Le canapé par là... Alors, ce sera pas la télé de fou, je pense. Tu vas mettre la télé pingouin, à vous. Ah, je sais pas, on va voir déjà les télévisions qu'on propose. Elle est trop mignonne. Regardez-moi, sa petite télévision pingouin. Elle est cute. Ouais, par contre, c'est vraiment le truc du pauvre. Oh, la vache. Et en plus, il me faut un meuble pour supporter. Et voilà. Ouais, ou alors, je prends un truc design. Ouais, enfin, tu sais, t'es pas non plus... Oh. C'est design. Ouais, c'est design, c'est cher, non? Combien?
Oh, ouais. Ça va. Ça va, on a le budget, Marcel. Ah bah, je sais pas s'il a le budget, Marcel, mais en tout cas, il sera bien pauvre à la fin de la vidéo. Eh ben, en même temps, il est là pour audio, alarme, donc ça, c'est bon. Divers, je sais pas trop ce que c'est. Oh, alors ça, c'est de la déco. Oh. Style papy, j'ai cru lire à un moment. Waouh, mais c'est tout petit. Je pensais que ce serait gros. Tapis de jeu, capteur de mouvement pris au perfection. Ah, j'ai pas le droit. Doublette. J'ai pas assez d'argent. Combien? Ah. Bon, je vais déjà finir bon, mon vas-y, salon. Bon, vas-y, mets-toi une télé, parce que sinon, tu vas jamais... Vite, parce qu'avant, avant de faire une connerie, je vais l'acheter. Mais je l'ai... Ah non, je l'ai pas mis. Elle est désespérée parce que je prends que du cher. Oui, c'est ça. Regarde, alors que moi, je mets que du basique. Bon, par contre, là, ça va être vide au début. Hein, parce que là, vite, il me faut un canapé. Avant que je n'ai plus du tout... Canapé. Oui, voilà. Ah, allez, encore, regarde. Prends du rouge, vas-y, 420 bah, ouais. euros. Tu sais qu'après, il te reste plus grand-chose. Hein. Bah ouais, mais c'est fait pour. J'ai le réflexe Sims 3 pour bouger les objets. Avant, tu les prenais juste... Tu restais cliqué et tu pouvais les bouger. Là, faut faire avec des flèches, c'est pas très pratique, je trouve. Je peux peut-être même le reculer d'un cran, tant que c'est et pas t'as vu, ils sont... avec la chambre. C'est bien calé. Tout est au milieu. Ah, mais tout est parfait. C'est ouais, ça ouais. qui est cool. Ah oui, qu'avant, on peut enfin pas. Mettre les télés en plein milieu. Bon, en même temps, c'est un 3 places, donc là, même dans les anciens Sims, c'était de la oui, chance. Oui, c'est sûr, mais ta télé est une place. Mais là, de c'est place, vrai qu'on peut placer par demi-carré, en fait. Alors, pas tout, mais certains objets, on peut les mettre par demi-carré, ça, c'est cool. Un chandelier, juste. Il me faut un chandelier. Lampe. Si je tape chandelier. Ouais, enfin. Ok, bon, il m'a un peu raté, mais c'est pas grave. Au moins, je les ai ici. Regarde. Oh. Anneau de lumière. Ça ou ça? L'anneau. Ah, j'aime bien celui-là. Attends, faut essayer de bien placer. Hein. Ah. Par là, au niveau de la porte, peut-être. Ouais, elle est mieux. Ou tu veux quoi? Genre là? Bah, parce que c'est là, ici, pas. L'endroit un peu éclairé. Hein. Ouais, bah vas-y. Bam, voilà, à peu près au milieu de la maison. Pouf, paf, pouf. Ce qui est con, c'est qu'il te montre pas comment ça allume. Et je crois qu'on est bon, non? Ouais, et il va falloir bientôt s'arrêter là. Ah, vu que... Attends, je regarde qu'il ait besoin de rien d'autre. Il nous reste, oh, 613$, bon, je vais pas faire le con. On va s'arrêter là. Alors on va le laisser juste découvrir un peu sa nouvelle maison. Donc il faut que tu retournes en haut. Ouais. Baron de l'immobilier, avoir une maison valant 50 000$. Attends, on me parlait. Alors c'était, voilà. C'est où? Avoir une maison valant 50 000$, moi pour l'instant elle vaut 18 000 sur, 5, sur, 15, ah, sur 50 000. Posséder 15 œuvres d'art, ah ouais, lui il rigole pas. Et voilà, alors, mon grand. Alors c'est où les besoins? Ça? Ouais. Oui. Regarde-moi ça, alors oui parce que je l'avais invité, hein, la nana d'en face, hein, pancake. Elle a pancakes. Hein. Ah oui, il est vraiment marié avec. Ah, il va aller se coucher. Ah, il est fatigué. Ah, il s'en fout. Le mec, je vais bien meubler et tout, et il se barre. Hein, il la laisse complètement... Oui, elle vient t'observer pendant que tu dors. Complètement seule, et elle vient me pomper mon électricité. Ouais. Sachant que maintenant, les factures, on les a beaucoup moins souvent, et c'est plus pratique. T'as pas à payer tous les 3 jours une facture. Et ils te préviennent. Ah, d'accord. Bon, bah, ça, c'est cool. On vous dit merci d'avoir regardé cette nouvelle partie des Sims 4. On espère que ça vous plaît toujours, d'avoir vu un peu comment on faisait les maisons, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus que les autres et tout et tout. Bon, je vous ai pas tout montré, hein, des possibilités, mais c'est pas bien grave. Par contre, ça éclaire que là, non? Ah, mais non, il s'est déjà... Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a fini sa sieste. Ah, d'accord, il faisait juste une sieste, je me disais, bah, il lui reste du coup, il est énergisé. Et donc, il joue... À Tetris. Un Tetris super simple. Oula. Il est hyperactif, mon Sims. Donc voilà, on vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à très vite pour la suite. Salut !